Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai une carte qui vient de se retourner. On va faire Jacques. Et alors, ce qui est curieux, c'est que, comme vous venez de le voir, eh bien, j'ai cette carte-là qui vient juste de se tourner. Les. Bon, ça commence bien. Alors, vous ne le voyez pas, mais à côté de moi, j'ai mon ordinateur sur lequel j'ai affiché les images de Jacques de façon à bien pouvoir me concentrer sur ce personnage. Et de pouvoir vous en parler. Donc, je vais faire comme pour les autres personnes. Hein, vous savez maintenant le principe. Je vais voir un petit peu sa personnalité, ce qu'il a dans la tête, et puis ce qui pourrait arriver. Et c'est là que ça peut devenir intéressant. Donc, on va quand même couper. Voilà. Et puis, je vais prendre l'autre petit tas de cartes. Voilà. Alors, on y va. On va commencer. Donc, on va faire simple. Je vais prendre 4 cartes. Donc, Jacques. Donc, je le regarde en même temps. Voilà. Donc, on va voir ce qui sort. Alors, femme, joie, aider, s'accrocher. Alors, j'ai l'impression qu'on pourrait mettre aider une femme, par exemple. Joie et s'accrocher. On a l'impression que ça sort tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'il y a cette fameuse Audrey, comme vous le savez. Donc, c'est peut-être ce qui le préoccupe. Hein, plutôt en ce moment, puisque là je suis pas du tout sur sa personnalité. Alors on va voir. Hein. Alors j'ai bien dormi, donc pareil, hein, je suis pleine d'énergie. Je suis en train de m'apercevoir que je me suis mis du crayon partout sur mes mains, mais c'est pas très grave, c'est pas gênant pour tirer les cartes. Alors aider, donc là on a un aigle qui est dans le ciel, femme, alors, toujours les questions idéologiques ici, joie avec les moutons. Peut-être les moutons que nous sommes. Hein. Et s'accrocher, et là, on a la personne malhonnête. Bon. Eh bien, c'est assez parlant, je trouve. Hein. Puisque là, on a aidé une femme avec joie, éventuellement, enfin, rentrer les moutons dans l'enclos et s'accrocher à des choses malhonnêtes. Donc, voilà. Ça sort tout de suite. Alors, on va essayer de voir un petit peu qui peut être cette femme. Donc, ça peut être cette fameuse Audrey, hein, puisque apparemment, c'est sa pouliche, comme on dit. Il y a bien encore une fois les questions idéologiques. En plus, on a l'impression quand même qu'il y a un homme et une femme hein, sur cette image. Bien sûr, l'interprétation peut changer, mais pour l'instant, moi, je verrais bien un homme qui donne la main à une femme, donc pour l'aider, effectivement, dans les questions d'idéologie ici. Hein. Donc, l'aider à aller plus haut. Bon, c'est relativement simple à comprendre, hein. On va essayer de quand même de remettre une carte, voir justement si ce but va être atteint, puisque c'est bien possible que ça nous pendonne, comme on dit. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, attendez, on va bouger un petit peu, voilà. Ce sont des cartes qui sont grandes, donc pas très faciles parfois. Voilà. Alors, merveilleux. Voilà, petite voir, colère, ah, et angoisse. Ah, ça se gâte par là quand même, hein. Merveilleux, on ne l'a pas eu encore cette carte-là. Bon, donc on va remettre une carte sur les grandes cartes. Colère et angoisse. C'est comme si ça commençait bien son histoire et que ça finissait mal. Alors, merveilleux. Ah, il y a un piège qui est tendu ici. Donc, merveilleux certainement pour celui qui tend le piège. Colère, il y a les personnes âgées et angoisse par rapport à un nœud. Ici. Alors, ça peut être, pour moi, ça fait toujours penser à l'épreuve de force. Enfin, pas toujours, mais parfois, ça peut être un lien. Hein. Mais là, j'ai l'impression que ça pourrait être deux personnes. Il y en a une qui tire d'un côté, l'autre qui tire de l'autre. On peut aussi penser que c'est la même personne qui fait un nœud. Mais moi, ma première idée, c'était une épreuve de force. Là. Bon, il faut suivre évidemment ses intuitions, hein. C'est ce que je fais quand je tire les cartes. Donc là, une angoisse par rapport à une épreuve de force et une colère par rapport à alors, des gens qui peuvent être âgés. Donc, on va les voir par là. On va essayer de remettre aussi une carte par là et par là. Puis après, on essaiera d'avoir une petite histoire et s'accrocher donc à des choses malhonnêtes ou des gens malhonnêtes, bien sûr. Angoisse, danger. Ouais, donc ça, c'est cohérent. Alors, aller. Ok. Éliminer. Oh, bah, dites voir. Hein, et chez soi. Bien. Femme merveilleuse chez soi. Ok. Joie, colère, éliminée. Angoisse, danger, allez. On va voir. Danger. Donc là, à mon avis, je suis plutôt sur le futur. Hein. Je n'ai pas ces personnalités. Bon. Ben, c'est pas grave. Hein. C'est que
c'est que les cartes, elles décident de sortir comme ça. Et donc, on va respecter. Alors, danger enfant. On n'est pas surpris. Allez. Alors, ici, comme il y avait un restaurant ou une invitation ici. Je suis encore en train de les mettre à l'envers. Pardon, voilà. Donc, aller quelque part à un endroit. Éliminer des choses cachées. Et chez soi, il y a un arc-en-ciel ici. Donc, on va essayer de voir un petit peu. Donc là, aider une femme. Avec joie, faire rentrer les moutons dans l'enclos, ça, on comprend. Hein. J'ai pas eu d'informations sur cette femme-là. J'essaierai d'en mettre une carte après. Merveilleux, il y a un piège qui est tendu. Donc, c'est merveilleux. Et il y a les questions de s'accrocher à des choses malhonnêtes. Bon. Après, donc on ira voir par là. Après, il y a une colère et un danger. On peut éventuellement mettre un danger qui provoque une colère. Alors, de la part des personnes âgées. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai les personnes âgées. En tout cas, un danger qui provoque une colère. Ici, danger par rapport aux enfants. Donc, quelque part, il a aussi une responsabilité. Et qui peut susciter une angoisse et une épreuve de force. Ici. Et aller éliminer. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait faire ça comme ça. Aller éliminer. Alors, pourquoi est-ce qu'on a les questions de nourriture ici? Et là, il y a chez soi. On va voir. Donc, peut-être qu'il faudrait que je pose des questions. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a de la colère et de l'angoisse, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il y a éliminer? Pourquoi j'ai cette question de aller? Et pourquoi j'ai la question de chez soi? Voilà. Alors, reculer. Donc, on pourrait dire que la colère et l'angoisse font reculer. Donc, ça veut dire que cet homme-là, il a vraiment, en fait, des plans en route. Éliminer et ennui. Donc, il y a un ennui par rapport au fait d'éliminer. Et ici, il y a un changement. Et la dernière carte, ici, il y a un ressentiment. Donc, j'ai l'impression que les choses par rapport à son plan ne vont pas se passer comme prévu. On va essayer de revoir un petit peu, enfin plutôt d'avoir des détails ici, là et là. Voilà. Alors, reculer, il va y avoir des choses qui vont être communiquées. Et ça va faire reculer son action, je pense. Ennui, donc il y a un ennui ici par rapport à une situation d'enfermement. Hein, les deux vont bien ensemble. Changement, alors ça c'est la femme prostituée. Ici, et ressentiment avec un sacrifice. Bon. C'est une carte qui est assez sanglante, hein, je suis désolée. J'espère qu'elle ne va pas trop vous choquer. Alors moi, ce que je comprends de toutes ces cartes-là, c'est qu'effectivement, il y a bien dans ses plans d'aider une femme, hein, alors de faire rentrer les moutons dans l'enclos et de leur apporter de la joie, par exemple. Donc les moutons, on les répète les Français. Mais que ça ne va pas se passer comme ça, puisqu'il va y avoir de l'angoisse et de la colère. On va remettre une carte sur les personnes âgées, par rapport à un danger en concernant les enfants. Donc il y a des plans ici qui vont se trouver chamboulés, j'ai envie de dire. Et donc ça va l'ennuyer. Hein. On a une situation de repli, à mon avis, il va devoir justement se replier dans un coin, ici, de se mettre un peu pour moi en retrait. Et puis, il va certainement y avoir aussi des choses qui vont le faire reculer. Alors, les écrits des gens qui vont communiquer, certainement. Alors, éliminer. Donc, éliminer, ça s'est caché. Hein. C'est le bois qui est sombre ici. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce qu'il a en tête, c'est vraiment d'éliminer. Alors, éliminer qui? On va aller voir. Il y a les questions d'aller quelque part. Donc, je pense qu'il va être invité. Hein. Ça me fait penser à quand on est invité à une table pour parler. Donc, ça veut dire que cet homme-là, on va en entendre parler dans les prochains mois. Hein, il ira quelque part, mais encore une fois, ça ne se passera pas comme il voudra. Hein, et merveilleux, c'est merveilleux pour lui. Là, en fait, c'est merveilleux, c'est un monde un petit peu irréel, une utopie. Hein, ici, ça pour moi, lui, c'est plutôt le plongeur qui attend de voir si, si le piège va être comment dire, amorcé, hein, si les gens vont tomber dans le piège. Voilà, c'est ça. Alors, changement, donc par rapport à une femme. Donc, la prostituée, c'est une femme qu'on achète. Hein. Faut garder aussi un petit peu les autres symboles. Donc, cette femme-là, il y a un changement par rapport à elle. Et il y a un ressentiment par rapport à un sacrifice. Donc, sacrifice de son côté. Donc, ça veut dire que pour moi, les choses ne vont pas bien se passer en ce qui le concerne. Donc, on va essayer de voir pourquoi j'ai les personnes âgées ici. Parce que, bon, je ne vois pas trop ce qu'elles viennent faire ici. À moins
que ce soit une colère par rapport aux personnes âgées qui ont été éliminées, hein, ça peut être ça aussi, il y a peut-être des choses qui vont être découvertes dans le futur par rapport à son action, mais je ne le vois pas réussir, enfin j'espère en tout cas, hein, puisque vous savez qu'il veut mettre cette fameuse Audrey en avant, hein, puisque c'est lui déjà qui a vendu Manu, hein, le Caligula comme j'aime l'appeler, l'empereur fou, hein, je pense que vous connaissez l'histoire de Caligula quand même. L'empereur fou, l'empereur qui était jeune d'ailleurs aussi. Bon, donc ça se passe de commentaires. Et à la fin, on mettra chez soi ici. Alors, je vais remettre aussi une carte sur le changement. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite. Alors, intimidé, ici, attirant, et ici, j'ai donné. Ok. Donc, intimidé, la colère qui va intimider. Oui. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai les personnes âgées. Mon idée, c'était éliminer les personnes âgées, donc qui peut provoquer la colère, par exemple, ou les personnes peut-être fragiles, hein, ça peut être ça aussi. Et donc, il y a la question d'intimidation ici. On va remettre des cartes dessus. Attirant, bah, il veut rendre son projet attirant, hein, certainement. Et puis, on ira mettre une carte ensuite sur donner. Voilà. Alors, intimider, donc c'est question idéologique ici. Attirant, voilà, donc c'est une belle carte. Donc ça, c'est le projet qu'il va rendre attirant. Et donner, alors, donner, c'est un âne qui a un fardeau. Donc là, il va éventuellement donner un fardeau à quelqu'un, peut-être à cette femme-là. Mais le changement, alors le changement, on va voir si ça va se faire, hein. Donc le changement par rapport à une femme prostituée. Et puis on va voir un petit peu ici, là, et donner. Bon, pour l'instant, on a des petites idées quand même sur ce que ça veut dire tout ça, même si c'est un peu chaotique. Pour moi, c'est son plan, hein. Alors justement, en parlant de plan, ben, ça va être auto-saboté, hein, rêve, voilà, ça va rester comme un rêve. Et un rêve qui est faux. Vous voyez que. Bon. Alors à la personne qui m'a écrit que je tirais les cartes avant. Je redis ici que c'est faux, hein. Donc c'est pas très joli de voir mes mains qui tirent les cartes, c'est pour ça que je les fais un petit peu en retrait, mais il n'y a pas de souci, hein. Je les fais vraiment en live, hein. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui triche, j'essaie d'être honnête. Bon, faut que je fasse attention à ce que je dis, c'est pas non plus que j'influence les cartes, je me reconcentre sur Jacques. Donc voilà, moi je ne triche pas, hein. Bon, revenons à nos moutons. Alors, auto-saboteur. Auto-saboteur, ben, il y a des questions de timing ici qui ne vont peut-être pas coller. Rêve. Donc, vous voyez, c'est la personne ici qui est dans son fantasme. Hein, je vois comme ça, moi. Et faux. Donc, ça veut dire que c'est un rêve faux. On va nous vendre du vent. On chante une belle chanson. Hein. Mais à mon avis, les gens vont s'en apercevoir de ça. Hein. Il ne va pas arriver à justement à rendre son rêve attirant ici. Hein. Et aller pêcher les poissons, là, on avait vu que le requin. À mon avis, ça va se casser la figure, tout ça, à cause du auto-saboteur. Il y a une question de timing qui colle pas. On va voir pourquoi, justement, est-ce que ça pourrait s'auto-saboter. Et puis, j'ai pas parlé de la carte ressentiment, mais là, alors, soit c'est des gens qui ont un ressentiment par rapport au sacrifice qu'on leur demande. Soit que lui, c'est lui qui a un ressentiment parce que son projet va être sacrifié. Bon, on verra à la fin le chez soi, je la laisse pour la fin cette carte-là. C'est une belle carte, donc pour moi, on regardera à la fin. Je vais essayer de voir pourquoi j'ai auto-saboteur, donc pourquoi est-ce qu'en fait son projet ne va pas aboutir, et pourquoi j'ai ressentiment. Alors, mentir. Bon, donc les gens vont s'apercevoir qu'il y a un mensonge ici, et pourrir. Bon, donc les choses vont se pourrir d'elles-mêmes. Je regarde de temps en temps vers son image là-bas. Donc mentir ici. Et vous montrer d'ailleurs, si je peux faire. Voilà, en sorte de ne pas tout faire tomber. Voilà, vous voyez, j'ai les images de Jacques Attali. Donc je vais revenir ici. Voilà. Voilà, j'ai fait une petite pause parce qu'il y a mon fils entre-temps qui est venu me déranger, mais c'est pas grave. Donc, on repart. Et une carte sur pourri. Ça m'a permis aussi de recentrer un petit peu mieux la caméra. Voilà. Donc, mentir. Alors, mentir avec l'armée. Ah, donc, il y a des choses ici qui sont intéressantes. Enfin, qui est intéressant, pardon.
Non, qui sont intéressantes, je corrige. Donc mentir, mentir. Donc il y a l'armée ici qui intervient. Je trouve que c'est vraiment une carte intéressante là. Je l'ai pas sortie souvent celle-ci, mais c'est comme si en fait les mensonges allaient être découverts. Enfin, ses mensonges à lui en tout cas, et qu'il y a des questions d'armée en même temps. Alors pourrir, ben, ça c'est les gens qui sont malades. Et ça, à mon avis, ça va être découvert. Hein, les fameux effets secondaires, etc., etc. Il y a ça. Et puis, ça veut dire aussi que la dictature sanitaire va pourrir quelque part. Hein, pour moi, c'est ça. Est-ce que j'ai encore, est-ce que je peux encore mettre une carte quelque part? Donc, reprenons. Il va vraiment essayer de mettre les choses en place par rapport à cette femme, à mon avis. Hein, ouais, et rendre le projet attirant. Son rêve merveilleux, ben, en fait, ne va pas réussir. Puisque d'abord, son projet va reculer parce qu'il y a des gens qui vont communiquer, hein, qui vont échanger. Une fois, on peut se faire avoir, mais pas deux. Hein. Une fois, c'était Manu. Là, bon, ça va bien maintenant. Hein. Les Français, ils ont compris. Hein. Donc, il va devoir reculer. Et puis, il y a une question d'auto-saboteur. Il y a peut-être les questions de timing qui ne vont pas fonctionner parce que, à mon avis, entre-temps, eh bien, il peut y avoir l'armée qui intervient ici. Hein. Et qui va le faire mentir. En tout cas, il y a des mensonges qui vont être révélés. Donc son projet, là, la dictature sanitaire va pourrir. Donc on va essayer de regarder la carte mettre une carte sur ressentiment. Et à la fin, on garde la plus belle carte pour la fin. Qu'est-ce que je pourrais mettre encore? Carte sur la femme. Tiens, on n'a pas beaucoup mis de cartes sur la femme. Voilà. Donc, habitude, et la femme, elle a se conformer. Donc, c'est une femme qui va faire ce qu'on lui dit, en fait. Ça veut dire ça, se conformer. Hein. Donc, ici, habitude, mentir, habitude. Donc, c'est quelqu'un qui ment d'habitude. Hein. On peut dire ça comme ça aussi. Hein. On peut aller chercher d'autres informations. Habitude, ah, il y a une lenteur ici. Et se conformer. Ouais, donc c'est ça. Il y a une question avec cette femme, il y a une question de, comment dire, de relation de confiance ici. Donc j'ai l'impression qu'elle va faire ce qu'il va lui dire parce qu'elle lui fait confiance. Hein. Donc elle va se conformer un petit peu à ce qu'il attend d'elle. Mais bon, on va remettre une carte tout de suite hein, sur cette fameuse Audrey. Je me demande quand est-ce qu'elle va arriver dans le jeu d'ailleurs. Ouais, chagrin. Bon ben, bof. Hein. Ça va pas se faire en ce qui la concerne. Hein. Alors rentrer à la maison, j'avais envie de dire ici. Clé dans la serrure. Rentrer à la maison, donc peut-être qu'elle va re-rentrer chez elle, ou alors elle ne va pas réussir à trouver la solution parce que c'est la clé. En tout cas, je pense vraiment que cette femme-là qui va donc faire ce qu'il veut, hein, bah, se conformer à ses attentes, eh bien, ça ne va pas réussir. Bon, elle va peut-être être renvoyée dans ses foyers aussi, hein, c'est possible. Hein. Pour ça qu'il y aurait le chagrin, donc elle est obligée de rentrer chez elle. Alors là, j'ai une habitude avec la tortue. Donc, je ne vois pas trop pourquoi ce que ça vient faire là. On va remettre une carte sur l'habitude. Habitude, mentir, habitude. Oui, j'ai dit habitude de mentir. Début, il y a un début. Alors, habitude, début, début. Ah, donc là, il y a des retrouvailles. Donc ça, c'est plutôt en fait. Alors, ce n'est pas en liaison avec Jacques. C'est plutôt la fin, j'ai l'impression. C'est quand les gens vont se retrouver là. Hein, il va y avoir un nouveau début. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti la tortue, par contre. Aucune idée. Elle est arrivée un peu comme ça. Peut-être que je me suis déconcentrée en même temps, pardon. Je vais essayer de revoir. J'avais dit habitude de mentir. Ça, c'est possible. Ouais. Mais l'armée va tout chambouler. Coupable, ouais. Alors j'ai la carte du coupable ici. Coupable et ligoté. Ah, ouais. Donc ces deux-là, elles vont bien ensemble. On est coupable et en fait, on est un petit peu ligoté. Donc ben, ça veut dire que, à mon avis, cet homme-là ne va pas arriver à ses fins. Hein. Ici. Il va même avoir des ennuis puisqu'on va le trouver coupable. Bon, on va laisser la carte de la tortue de côté, je vois pas ce que c'est. Mis à part habitude de mentir, qui peut être en relation avec Jacques cette fois. Peut-être aussi que c'est le fait. Ah oui, je crois que je vais le comprendre. Parce que l'habitude, c'est des choses qu'on fait régulièrement dans le temps. Hein.
Ça peut vouloir dire aussi que ce qu'il a fait, ça a été planifié de longue date. Et c'est pour ça que j'aurais la tortue. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il avait en tête depuis très longtemps, ce fameux nouvel ordre mondial, hein, comme vous savez. Hein. Ouais, donc là, c'est simplement une confirmation qu'il y a pensé depuis longtemps. Oui, donc ok, donc ça, je comprends. Alors, c'était juste une petite information, donc c'est planifié. Mais ça ne marchera pas parce que de toute façon, quelque part, les gens vont percer ses intentions. Hein, donc, il va être trouvé coupable quelque part. Hein. Alors, peut-être qu'il a fait aussi des choses qui ne sont pas nettes. Hein, ça, c'est possible. Bon, on va remettre une carte sur celle-ci qui me semble bien, qui me semble belle. Hein. Épreuve traversée chez soi. Donc, on va voir ce que ça peut être. Alors, attitude. Attitude. Attitude, attitude et foyer. Alors ça va un petit peu avec cette carte-là. Attitude, foyer, chez soi. Alors est-ce que c'est la fin de l'épreuve? Quand on rentre chez soi et que tout est fini, hein? Attendre. Ah non, c'est plutôt actuellement. Il attend pour l'instant. Il est chez lui, il attend. Ouais, il attend la fin de la tempête. Donc il attend la fin de la tempête en ce moment, c'est les manifestations. C'est ça qu'il fait. Donc là, je suis repartie un petit peu sur ce qu'il a en tête. Vous voyez, le jeu, il est parti tout de suite vers le futur. Et là, actuellement, bon, il a dit tout ce qu'il avait à dire, hein, que son plan ne fonctionnerait pas. Il y aurait l'intervention de l'armée. Et puis, bon, la femme, elle va devoir re-rentrer chez elle, certainement, avec chagrin. Donc, elle va échouer, hein, parce que les gens, ils vont être en colère et puis ils vont le trouver coupable. Donc, il va y avoir des révélations, certainement, par rapport à Jacques. Et là, j'ai plus de batterie, du coup, bon, c'est pas grave. Ben là, je pense qu'actuellement, il est chez lui, hein, pour ça j'ai la carte du foyer, il attend la fin de la tempête, donc il attend que les manifestations se calment pour, à mon avis, intervenir et vendre son projet. C'est là en ce moment ce qu'il a en tête. Voilà, on va remettre une carte ici. Alors, humilié, ouais. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui humilie ou s'il va être humilié. Humilié, alors, ça peut être les bureaucrates. Humilier les bureaucrates, oui, alors ça peut être ce qu'il a en tête, hein. Pour essayer justement de vendre cette femme-là seule. Donc le seul à pouvoir peut-être comment dirais-je résoudre la situation avec les fourmis qui sont comme des parasites ici. Hein, donc c'est un peu une situation désagréable ici pour moi. Hein. Oui, alors je pense que ça, c'est ce qu'il a en tête. Hein. Il va essayer de se mettre en valeur et d'humilier les bureaucrates qui peut-être qu'ils sont partis d'ailleurs. Hein. Il y a les bureaux qui sont vides ici. Parce que vous savez que je crois qu'il y a quand même des gens qui sont un petit peu d'accord avec ce que j'ai dit depuis très très longtemps, à savoir qu'on a un gouvernement qui pourrait partir d'une façon ou d'une autre. Ça expliquerait les bureaux vides. Et à ce moment-là, lui, il viendrait justement les humiliant, donc en les descendant par rapport au fait qu'ils n'ont pas justement. Comment dire, ils n'ont pas rempli leur fonction, voilà, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, et qui serait le seul à pouvoir, ou la seule, avec cette femme-là, à pouvoir justement résoudre une situation désagréable. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'il voudrait faire. Et donc là, pour l'instant, il attend, pardon, la fin de la tempête, hein, et éventuellement qu'il y ait une catastrophe qui arrive, hein, au niveau du gouvernement. Ouais, alors, dépendre d'eux. Ici, donc il dépend de quoi? Oui, les gens doivent dépendre de lui, quoi, en fait, c'est ça, en fait. Hein. Alors, toujours cette salle de bain. Je vais remettre une autre carte, parce que moi, la salle de bain, franchement, je ne sais pas. Hein. Bon, j'arrive un petit peu comme ça, on va remettre une autre carte. Dépendre d'eux, oui, celle-là, je la comprends plus. Donc, dépendre d'eux, de supporters. Si quelqu'un a une idée par rapport à l'eau, moi, je veux bien. Là, je vois pas. Même en faisant appel à mon intuition, je ne vois pas pourquoi je vais dépendre de l'eau, dépendre de l'image, alors parce que dans la salle de bain, on se regarde. Je ne sais pas. Bon, par contre, celle-là, elle me parle un peu plus. Dépendre du soutien ou dépendre de l'enthousiasme, ça peut être aussi éventuellement les gens qui vont manifester. Donc là. Et j'ai l'impression qu'en fait, il va vraiment faire jouer la carte de.
de je suis le seul à pouvoir, ou plutôt Audrey est la seule à pouvoir sauver la situation. Et quelque chose comme ça. On va essayer de remettre encore une carte dessus. Affection, oui. Il va essayer de la vendre par le biais vraiment du côté émotionnel. Hein. Voilà. Donc les gens qui éventuellement qui parlent, bon, qui se retrouvent, qui discutent. Ça veut dire qu'en fait, il va parler d'elle là, hein, avec affection. Donc il va la vendre. Ça pourrait expliquer pourquoi j'ai ce dépendre de l'enthousiasme. Dépendre de. Oui, alors rigide. Ouais, il va pas y avoir de. Comment dire? Ouais. Il va. C'est comme s'il allait s'obstiner dans cette action-là. Rigide, hein, c'est quand on ne fait pas preuve de souplesse. C'est-à-dire qu'il va vouloir la faire passer en force, hein, de façon à faire une coupure avec avant, après, avant Audrey, après Audrey. Bon, on verra si l'avenir me donne raison. Mais oui, je pense qu'on va vraiment entendre parler de ce Jacques par rapport à la pouliche, sa prochaine candidate, hein, qui va vouloir un petit peu mettre en avant et rendre attirant son projet, rendre attirante cette femme qui va vendre du rêve, un rêve qui est faux, comme on a vu, hein, j'ai sorti beaucoup de cartes. Mais pour moi, alors on va poser la dernière question. Est-ce que son projet va arriver, pardon, va aboutir, bien qu'on ait vu l'auto-saboteur, hein. Alors on a résisté, donc il y a bien des gens qui vont résister par rapport à ça. Donc résister. Oui, alors là j'ai résisté. Ça peut être encore le côté sanitaire à mon avis. Donc c'est des gens qui vont résister par rapport à ça. Et on va remettre encore une carte. Se vanter. Ouais, il va en faire de trop à mon avis, hein. Il va en faire de trop et ça va paraître louche. Donc là, j'ai l'eau, se vanter. C'est comme si c'était un lieu de vacances. On va remettre encore une carte. Se vanter. Se vanter, pardon. Ouais, c'est ça en fait. Il va vouloir vraiment. Comment dire? Oui, c'est ça. Il va vouloir en fait réconcilier un peu les gens. Donc les faire. Parce que là, on voit bien qu'il y a une coupure entre deux catégories de population, par exemple. Hein. Ou alors entre les gens et puis les politiciens. En tout cas, il y a bien une coupure ici. Et là, il va essayer de faire en sorte de réconcilier les gens, de faire un peu amende honorable, enfin ce genre de choses, mais par rapport aux politiques. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Mais il va y avoir de la résistance. Alors, se vanter ici. Alors, il y a de l'eau. Alors, l'eau, ça peut être le fait que c'est nébuleux, vous savez. C'est-à-dire, si j'ai dans l'oracle français, j'ai aussi une carte avec de l'eau, la mer. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et c'est l'incertitude. C'est mouvant. Donc, pour moi, à mon avis, le fait qu'on ait la mer ici qui est toujours en mouvement, ça va être un petit peu vague. Voilà, se vanter avec les vagues. Donc, ça va être trop vague. Donc, les gens vont pas accrocher à son discours. Même s'il va essayer vraiment de concilier les personnes, de les rapprocher, il va y avoir une résistance ici. Alors, c'est vrai que j'ai parlé de la politique sanitaire. D'un autre côté, et là, on voit quelqu'un qui examine avec pardon, avec attention. Ici, on a le médecin qui en fait qui fait un diagnostic. Donc, je me demande aussi si ça va pas être le fait que les gens vont regarder avec vraiment beaucoup d'exactitude. Ils vont pas prendre ils vont résister les gens. Ils vont pas prendre une décision à la légère comme ça. Ils vont aller examiner les choses. Voilà. Les gens vont aller examiner. Et du coup, ils vont résister. Moi, pour moi, Jacques, c'est pas gagné. Hein. Les gens, ils vont pas gober. Ils vont pas gober ce que tu vas essayer de leur vendre. Voilà, je vous parle un petit peu de façon directe. Hein. Mais alors, il y a un chef après. Chef qui va être arrêté ici. Ouais, alors résister, chef. Pourtant, je suis par rapport à Jacques ici. On va essayer de voir ce que c'est, ce chef qui va être arrêté ici. C'est parti, c'est un peu sur autre chose et partagé. Bon. Bon, après, je vais arrêter parce que j'ai sorti beaucoup de cartes. Hein. Partager dans un bar, partager l'alcool, partager de mauvaises boissons ici. Donc ça, c'est pas positif du tout. Oui, alors pour moi, se partager, c'est quand on essaie de donner de l'alcool à des personnes ici. Donc
Vous voyez que la personne, elle est affalée sur le bar, elle est déjà saoule, comme on dit, hein, et donc elle a trop bu. Donc pour moi, il va y avoir une espèce d'intoxication de la part des médias, hein, qui vont nous bassiner certainement, afin de remplir le verre et encore et encore et encore, de nous saouler. C'est vraiment ça, de nous saouler par la propagande. C'est pour ça que j'ai partagé, partagé par les médias. Hein. Je vois ça comme ça, une information qui va saouler tout le monde. Mais à mon avis, s'il sort en tant que chef, Jacques, là, ça va être arrêté, hein, son action va être arrêtée. On va mettre une dernière carte par rapport à sa personnalité. Si on peut avoir une carte qui me parle de lui. Je vais bien bien me concentrer. Voilà. Donc prendre. Donc c'est quelqu'un qui veut prendre. Alors, on va voir quoi. Prendre, bah oui, le pouvoir. Vous avez ici l'escalier qui mène tout en haut, ici, vers une porte et de la lumière. Donc pour moi, c'est prendre la tête. Hein, prendre, encore une fois, on gravit les escaliers pour aller en haut. Donc prendre une position haute ici. Hein. Donc c'est quelqu'un d'ambitieux. Vous voulez qu'on remette encore une carte? Je vous parle, hein, comme si vous pouviez me répondre. Mais est-ce que. On va dire oui, allez, si vous, on va prendre une dernière carte ici, savoir prendre le pouvoir, prendre une position haute. Allez, pour finir, espoir. Ouais, donc il est vraiment. Il y croit, quoi. Espoir et espoir d'arriver à ses fins. Hein. Donc pour lui, c'est ça, en fait. Hein. Il veut vraiment. Il espère prendre le pouvoir, pour moi, c'est ça. Hein. Vous voyez, vraiment, l'escalier, pour moi, c'est vraiment le synonyme de l'ascension vers le pouvoir. Donc, il espère. Eh bien, écoute, Jacques, tu espéreras, mais tu n'auras pas gain de cause, à mon avis, parce qu'on a vu avec les cartes que, de toute façon, là, on va aller mettre une dernière carte ici sur le ressentiment. Ça ne marchera pas. Ton projet idyllique, enfin, idyllique pour toi, hein. On va remettre encore une carte sur ressentiment ferme, ici. Donc, ferme ou fermé. Oui, donc ça, c'est les gens qui vont se battre avec fermeté. Donc, il va bien, bien y avoir une résistance, hein, par rapport à son projet. Donc, je vous rassure quand même, le projet de Jacques ne passera pas. Moi, je ne le vois pas passer. Cette Audrey, elle va devoir retourner chez elle avec chagrin. Ça ne marchera pas. Et ce sera non seulement en relation avec le fait que il va y avoir des gens qui vont communiquer, qui vont examiner la situation. On va lui trouver plein de choses à lui reprocher. C'est pour ça qu'il est coupable. Mais aussi, il y aura les questions d'armée ici, de militaires. Et donc ça fera que ça ne passera pas. Et puis à la fin, eh bien, de toute façon, les gens vont se retrouveront pour un nouveau début. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. En ce qui concerne les autres tirages, ma foi, j'ai déjà dit tout ce que je pouvais, mais je vais quand même faire un petit tirage annexe que vous pouvez regarder si vous avez envie, pour voir un petit peu ce qui peut nous attendre comme événement prochain. Hein, donc ce sera un tirage normal. En tout cas, merci d'avoir regardé ce tirage Open Mind. La prochaine fois, on fera peut-être le général Burke, hein, le chef des armées, pour voir un peu justement quand est-ce qu'il pourrait réagir ou agir et débloquer la situation. Merci encore de votre fidélité et de votre gentillesse. À bientôt, au revoir.